de acoger aquí esta noche a Dino Deinos, que ha venido de Francia para producirse aquí con nosotros. Es la primera vez que proponemos slam, rap, hip hop aquí en el instituto y especialmente en la mediateca, y por eso estoy tan contenta. Y nada, ojalá sea la primera vez de otras muchas, ¿no? Deinos escribe desde hace unos 8 años. Escribe lo que, bueno, escribe rap, que el nombre de rap significa Rhythm and Poetry. Entonces lo que dice él es que escribe poesía ritmada, no sé cómo se diría, poesía con ritmo. Y escribe desde hace bastante tiempo. Entonces, y en 2015 ganó un concurso de slam aquí en Madrid, el Poetry Slam Madrid. Y pues nada, sigue escribiendo, ha seguido haciendo espectáculos. El espectáculo de hoy se llama L'Enfant Multipiste, el niño multipista. Y pues nada, que le voy a dejar el escenario y la palabra. Y os propone que al final haya un intercambio, si nos interesa, hablar con él, intercambiar, preguntarle cosas. Bueno, muchas gracias. Pour ceux qui ont grandi entre misère et calme, qui n'ont pas su se positionner entre lumière et marbre, à ceux qu'on a poussé à renier leur entourage, voici quelques rayons du magasin Enfant de la Rage. Voici quelques rayons du magasin Enfant de la Rage. Donc c'est pour ceux qui ont grandi trop vite et qui ne peuvent que rigoler quand on leur parle de république, à ceux à qui on a masquer la porte de secours, mais ferme ton portail et dis-toi bien qu'on fera le tour. C'est pour ceux qui ont marché la tête baissée dans le mur, tant ils se sont inclinés sous le poids de l'inculture, à se marier aux chutes, au mal de vivre. Votre combat est le mien et vous en parlez, me délivre. Donc pour ceux mal orientés, guidés afin de gonfler les effectifs des ouvriers de moins en moins qualifiés, à ceux sans côte de maille, sans bagage comme ils disent, j'annonce que voyager, ça remplit les valises. Et pour ceux qui font des loopings sur des chemins soi-disant plats, qu'on commençait à croire au blablabla de nos états, à se tailler dans le roc, dans les blocs mal cimentés, si l'enfer est visible, à nous construire la face cachée. Donc c'est pour ce son, pour nous en quête d'un autre, d'une autre chose en nous, d'une paix qu'on doit se faire nôtre. Oui c'est pour ce son, pour nous en quête de vie, d'une vie loin des broutilles, loin des saccages qu'on applaudit. Et c'est pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui se guillotinent, pour ceux qui tournent la page pour ne pas salir ses yeux libres. C'est pour ceux qui se reconnaissent, pour ceux qui cherchent le nord, pour ceux qui ont compris que c'était en eux que se trouvait l'or. Pour ceux qui ont compris que c'était en eux que se trouvait l'or. Deuxième couplet.
Pour ceux de ma décennie, ceux d'avance la presse, en défense dans une guerre qu'on qualifie de progrès. Pour se marier au vice, pas peur de rester seul, mais même un être seul peut retrouver sa boussole. C'est pour se lâcher dans l'ombre, nourri au flash obscur, à la mer spaghettisée, qualifié de culture. C'est pour se lâcher dans le vide avec des trous dans le parachute. J'en vois un poil d'urgence, un récital de mes luttes. C'est pour ceux dont le jerrican s'enflamme d'une étincelle, qui sont tentés de se maîtriser en fumant de la zèbre. C'est pour ceux pour qui ça suffit pas, plonger dans la spirale, trouver un exutoire afin de recycler votre rage. C'est pour ceux dont le mal empire, brouillé avec la vie, et qui ont constater que la malchance est poursuivie. C'est pour ceux dans le cercle infernal des rancunes, la vie s'ouvre aux ouverts mais elle se ferme dans l'amertume. Donc c'est pour ce son pour nous en quête d'un autre, d'une autre chose en nous, d'une paix qu'on doit se faire nôtre. C'est pour ce son pour nous en quête de vie, d'une vie loin des broutilles, loin des saccages qu'on a flottis. Et c'est pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui se disent le signe, pour ceux qui tournent la page pour ne pas salir celle du livre, pour ceux qui se reconnaissent, pour ceux qui cherchent le nord, pour ceux qui ont compris que c'était en eux que se trouvait l'or. À vous, pour ceux qui ont compris que c'était en eux que se trouvait. Bien joué. Troisième couplet. Et pour ceux dont l'enfance est achevée d'un coup, coup de théâtre traumatisant, coup de marteau qui change tout. À ceux dont les blessures sont encore saignantes, l'amour possède les fils afin de recoudre les plaies béantes. C'est pour ceux trahis par le monde des bisounours, qui subissent l'électrochoc des lâches et des mesquins. À ceux piqués à vif dès l'entrée dans leur couche, abusés par le type censé vouloir leur bien. Pour ceux qui sont faillards, de la drogue pour se recaler, pour assumer le spontané de leur envie d'aimer. Pour ceux qui se trompent de route, égarés en chemin, je l'ai compris, ouais c'est vrai, faut savoir d'où l'on vient. Et c'est pour ceux jamais contents, toujours un truc qui manque, la paix se trouve en nous, pas dans les comptes en banque. Car de l'est à l'ouest et du sud au nord, pour ceux qui ont compris que c'était en eux que se trouvait non. Pour ceux qui ont compris que c'était en eux que se trouvait. Pour ceux qui ont compris que c'était en eux que se trouvait l'or. Merci. Hola. Alors, je m'appelle Dino et mon nom d'artiste c'est Deinos MC et je parle en français. Je maîtrise pas trop l'espagnol, donc je pense que vous comprenez. Et ceux qui comprennent pas, demandez aux autres, ils vous expliquent. Je vais vous faire on va passer un temps ensemble et je vais vous inviter à plonger dans mon univers. J'écris des textes, surtout le prochain, là, je l'écris en plongeant à l'intérieur de moi-même. Et du coup, je vais vous inviter à voir comment ça se reflète en vous, comment ça se répercute, comment ça résonne en vous. Je vous invite juste à essayer de sentir ça comme ça, si vous le souhaitez. Barros. Alors, je reprends. Salutations. Ici, je vous présente un texte que j'ai écrit en plongeant à l'intérieur de moi-même. J'ai appelé ça « Je plonge dans mes vrilles » et ça donne ça. Plonge dans mes vrilles, visite mes grottes, mes vestiges, visite mes gouffres et mes vertiges. Veux-tu entendre ton écho ? Ressens ces quelques mots parce que je plonge dans mes vrilles, dans mes torsions ventrales, dans mes missions de sauvetage. Ça fait enfuir du mal carré, ton misérable joue les forces et le destin. Forcer mon corps sans aile à voler au-dessus du rien, au-dessus de l'hiver et de mon désert. D'un monde humain qui souffre, d'un être brisé en douze, rêvant à vie plus douce, revenant de mes galères avec plus jamais ça en boucle. Mais en moi sont les barrages et en moi sont les sources. Et d'un retour que je te cause afin que je casse mes notions folles, démonte cœur à cœur afin que s'estompent mes échymoses. Car mes épisodes ont tous un goût très similaire, ça s'enthousiasme, quelques moments plus tard s'éloigne sans mise en terre, sans mise en garde. Comportement très addictif, addict à la lumière, reste un rempart, même une fuite. Et moi le pavé trop m'a fait m'allonger sur la terre sans pouvoir me relever. Mais ça m'invite à m'être sincère et à me dire
ça fait trop de bruit à l'intérieur. Alors je dis, que ça fait trop de bruit à l'intérieur. Et puis ça s'accumule, il serait peut-être temps d'y jeter un œil, parce qu'écrire suffira pas, et même rapper d'ailleurs, et puis danser les contrepoids, c'est limite petit clin d'œil. Alors je plonge dans mes fricards, j'ai les nœuds qui se contorsionnent, constate une souffrance, la fuite d'une condition d'homme, l'angoisse est pour les autres, c'est ce que je pensais dans mes hautes sphères, mais je suis de retour sur terre, et c'est maintenant que se change la donne. Alors je plonge dans mes cris, un saut périlleux pour frissonner, pour oublier le parfum, mais maintenant je sais ce que je fais de l'oxygène, quelques mesures de répit, mesures de vol plané pour dérouiller ma panoplie. Oh, je plonge dans mes cris, un saut périlleux pour frissonner, pour honorer mes cris, je leur donne une piste pour atterrir, ils se font très présents, j'apprends à vivre, à les soigner, frapper ces quelques lignes fera planer quelques sourires, j'espère, car ça correspond à mes cascades, car ça cumule les mélodrames, car ça stimule mes kilos de larmes, une flemme bouillonne mon ventre, ma tête, mes songes brouillardent mon âme, alors je plonge, alors je plonge. Alors, juste, et j'avais prévenu par le titre, et si t'écoutes encore, c'est peut-être quand toi la rage palpite, à tel point que rien ne bouge. Alors moi quand c'est comme ça, eh ben ouais, je sors avant le boom, les poings serrés dans mes poches, et voici ce que je me souhaite. Finir ma fuite en bas de cette page, partager ma présence, soigner ma confiance, donner la force des délivrances, dégrossir mes axes et de rage, mes armes et de rancune, une guerre non déclarée produit comme même son lot de victimes, et souhaite savoir communiquer dans un sens et puis dans l'autre, connaître mes autres moi et leur trouver leur rôle d'apôtre, sentir mon entièreté, ouvrir le cœur à tout mon être, je veux assumer d'être incarné avant de me dire que je suis céleste, et souhaite savoir communiquer dans un sens, dans l'autre, connaître mes autres moi et leur trouver leur rôle d'apôtre, sentir mon entièreté, ouvrir le cœur à tout mon être, je veux assumer d'être incarné avant de me dire que je suis céleste. Bisous. Si, si. Bon. Alors, une plongée à l'intérieur de moi-même. Et dans cette plongée, j'ai constaté que ce que je kiffais le plus au monde, que ce que j'aimais le plus au monde, c'était d'être détendu à l'intérieur, d'être en paix à l'intérieur. Et en vrai, au moment où j'ai écrit, c'était pas du tout le cas. En vrai, c'est pas toujours le cas. Et du coup, j'ai fait mien une idée, fait mienne une idée. Parlons français correctement, s'il vous plaît. J'ai fait mienne une idée qui est d'être en paix avec le fait de ne pas être en paix. Et ça marche. Un poquito. Mais ça vaut le coup d'essayer. Et vraiment, voilà qui introduit parfaitement mon prochain texte, je dois dire. Et s'intitule « Pouvoir rien faire ». Et je vous le fais. Voilà un curieux paradoxe. Ça va, on entend bien? C'est agréable. Vamos à la musique. Très très loin, dans les cendres de moi-même, mais tellement proche de mon essentiel, j'ai plus de larmes et plus de cris que je ne peux en contenir. J'ai des pires assorties de route et des vaillants sabotants. Je suis venu du cœur pour vivre, choqué par l'avenir. Je suis enfant de l'impossible et puis d'un silence révoltant. Je suis venu du pur depuis sali, depuis que la coupe est pleine. Je ne veux que m'attendrir, je ne veux que me retrouver. Moi je tente d'écrire du cœur pour qu'il reste oxygène, pour qu'il reste visible malgré l'être violenté. Mais malgré mes lettres, je plonge. Je voulais que le soulagement, je voulais que la paix, mais je la voulais qu'urgemment. Et puis que l'histoire m'inonde, je me noie, bois la tasse, ma cité a craqué. J'ai dit c'est bon, passe. Dans les cendres de moi-même, j'ai dit vas-y, passe. Dans mon essentiel, j'avais des cris que je calmais en rappant à leur hauteur,
Moi en rapant avec la rage, j'en fluidifie l'odeur, mais comment vous dire que ça suffit pas? Et la vie c'est pas que le rap, je veux aussi être tranquille dans un voyage à deux places. Moi je veux pouvoir rien faire sans être accablé, accablé de tourments qui m'obligent au mouvement. Moi je veux pouvoir rien faire et seulement te regarder, te regarder longtemps, devenir intime à tes mouvements. Moi je veux pouvoir rien faire sans être accablé, accablé de tourments qui m'obligent au mouvement. Moi je veux pouvoir rien faire et seulement te regarder longtemps. Rien faire, je veux pouvoir vous regarder longtemps. Rien faire dans les cendres de moi-même. Et là, ma rage se calme, les effets du papier. J'appelais ça de la magie, maintenant je l'appelle deuxième couplet. Merci de m'écouter, d'aller plus loin, de me relier. Vous savez que la violence n'est que le reflet des cœurs blessés, et ça me convient de penser ainsi. Démonstrifie mon être, mais ça ne m'exempte pas non plus de rectifier ma planète. Alors écoute ce qui va suivre. Voyage en première classe, en fait l'amour existe. Et je reviens prendre ma place, mais j'ai bien vu que je m'étais perdu, que j'allais saisir mes tensions par abstraction. Aveuglé de l'ambition de sortir de mon corps pour ne plus sentir toute cette pagaille. Convulsion des entrailles, mais ça ne marche pas comme ça. Je préfère m'occuper tendrement de l'enfant choc sur choc. Besoin de soutien pour ça. Si tu te sens réciproque, t'es capable, on se cale, on se prend un RDV, ça nous branche, on s'arrange. Échange de procédés, moi je veux pouvoir rien faire sans être accablé, accablé de tourments qui m'obligent au mouvement. Moi je veux pouvoir rien faire et seulement te regarder, te regarder longtemps, devenir intime à tes mouvements. Moi je veux pouvoir rien faire sans être accablé, accablé de tourments qui m'obligent au mouvement. Moi je veux pouvoir rien faire et seulement te regarder longtemps. Rien faire, pouvoir vous regarder longtemps. Rien faire, rien faire du tout. Je démonstrifie mon être, je rectifie ma planète. Voyage en première classe, je reviens prendre ma place. Alors dans le morceau qui suit, normalement j'invite les gens à s'asseoir. Mais comme vous êtes déjà assis, je vous propose de, je vous invite à vous asseoir à l'intérieur de vous-même. Invitation. En dessous des couches de masques, dans le noyau en fusion que cachaient mes airs de glace, mes heures de passe-passe. Traverse des crises monumentales, je suis venu parler de mes poids pour leur prouver que je les prends en compte. Je suis dans des crises de manque, je suis en sevrage d'adolescence, en sevrage de souffrance, la quête sans fin de reconnaissance en renaissance. Je commence par être celui qui se berce, non plus celui qui se berne. Je suis en retour à l'essentiel et je suis en marche, mais vers ma rencontre, tout droit vers ma compréhension. Vers ma consolation, je glane les armes de mon soutien, bien sûr. À mes blessures, je veux tendre une main, et avec l'autre, je m'assurerai afin de sortir ma tête de l'ombre, ma tête, mon cœur, ma voix. Et je sais que pour ça, faudrait que je regarde au fond de moi, ma voix. Et tu sais que pour ça, faudrait que je regarde au fond de moi, mais parler pour ne rien dire, ou bien rien dire afin de parler. Parfois, je me perds dans mes couplets à force d'écrire à l'étouffer, comme pour combler un vide ou bien pour me punir comme à l'école. J'en garde les séquelles, alors j'essaye d'en perdre les codes des années à me juger. À croire que mon être n'est pas capable, je suis sorti de l'enfer, mais j'y retourne dans mon cartable. Alors suffit de croire au venin, briseur de vie, briseur de nuit, rêvant sur saut, cri d'insomnie, regarde au fond de toi, en sorte que tout parte de là. Ici t'es plus bactère, mais jamais plus proche de ton état. Alors profites-en afin de te relier à toi-même, à tes grandes aspirations. Connecte-toi à ta planète et apprends à te regarder.
à considérer comme un enfant qui a besoin pour pousser d'attention et de calmement. Tu sais, c'est souvent ce qu'on oublie à force de grandir comme un soldat. On se parle comme un lieutenant, un sous-vif. Non mais, qu'est-ce qu'on croit? Mais qu'est-ce que je crois? Au fond de moi. L'expression d'une rage qui va tenter de blesser personne. Le monde des hommes, trop inconscient, donc je le pardonne et je randonne jusqu'au parvis. Je pardonne si j'y parviens, mais je vis plus l'amour. Si avec moi-même je suis pas bien, non, j'ai des besoins. Mais parfois je manque de moyens, parfois juste, jusqu'à l'excès, les quelques fleurs qui me tendent la main. Mais c'est précieux d'en prendre conscience, c'est le début de toute chose, la première flamme de renaissance. Alors j'apprends sur moi, j'apprends sur toi, j'apprends sur nous, et puis j'apprends surtout à me comprendre, pour m'aimer fou, m'aimer tout court, en long et en travers, pour ne plus jamais confondre le soleil avec la terre. J'apprends sur moi, sur toi et sur nous, et surtout à me comprendre, pour m'aimer fou tout court, en veine et en artère, pour ne plus jamais confondre le soleil avec la terre. Au public un texte a cappella. Bien qu'on soit à Madrid. Ça, c'est une blague d'un ami à moi. À chaque fois, il veut que je la fasse. Je veux jamais la faire. Et là, je trouvais qu'elle était bien. A cappella, ouais, je dis ça, bien que tu dis non, bien que. Ouais. Dédicace à Damien. Je fais un bisou d'ici. Ce temps est arrivé. Alors, on y va. Si, faites votre vie. Non, mais je suis obligée, mais je resterai vraiment. J'adore, c'est fabuleux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai. À bientôt. Je peux regarder sur internet. Et une SMC. Bonne soirée. Alors, allons-y. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quand je suis tout seul. J'ai comme affaire à des statues de glace criant très fort qu'on les réchauffe alors. Alors je fais de mon mieux et je fais en sorte que leur épaisseur se fasse traverser par l'amour, que se calme la plainte des Esquimaux, car moi aussi ma terre se réchauffe. Et j'ai des enfants qui se noient en mer. En manque de mère et de frère, ça crie à l'aide de l'effet de serre et l'effet me serre le cœur. Des coups de soleil en plein hiver au pays de la fontaine, ça meurt de soif. Sans commentaire. Parce que c'est dur à vivre, on le sait, quand t'es une cible potentielle. Et c'est pour ça que ça s'exile, que ça brûle ses cartes et que ça fuck le système, parce que quand t'as plus quoi rien, là t'as que l'extrême pour t'évader. Et quand t'as rayé ta carte l'idée d'un avenir apaisé, ben, t'es plus toi-même. Mais si toi-même, j'y crois encore. Et en même temps, on fera en sorte de réapprendre à s'aimer seul, ouais, je sais que c'est compliqué. On est tous pleins à l'intérieur et quitte à être plein. Autant être plein nous crie la peur et c'est pas pour rien qu'on boit. Ou bien qu'on se drogue, on n'est pas dingue. Ça nous allège la pesanteur, mais on le sait très bien que ça va redescendre. Alors ici, tout seul, dans les crevasses de mon enfance, je peins les murs, je fais un feu pour guider Dieu dans sa descente. Au bord du gouffre, Billy ne le sait pas. Dans les sables mouvants, Billy il se débat. Billy se perd, boit, tout terre, voilà sa loi. Il pèse de tout son poids sur son corps qui se noie. Billy se réveille fatigué, il a dormi, télé en marche. Parce que Billy ne se voit pas s'endormir avec lui-même. Il ne se berce pas d'ennui, ça somme à coups de hache, à coups d'angoisse anesthésié. Il affronte ses problèmes de travers. Il se lève et par ne rien faire de concret, il crée un gouffre entre ses rêves et sa réalité. Billy se protège, son cœur
cœur est apathique depuis petit. Le choc avec ce monde hystérique. Alors Billy va dehors, c'est déjà ça, se dirait-on. Mais il cherche un cocon, ce canapé qui ferait tomber à son mal-être. À ses nerveuses contradictions, il veut vivre, il le dit, mais il a oublié comment s'y prendre. Il a oublié que chacun son monde, chacun sa ronde, chacun son premier pas. Découvrir véritable, c'est ça le ripant dans soi. Du boum, du bam, du bim, des oui mais c'est bien ça, du pas à pas. La lumière sous son toit, chacun son monde, sa ronde, chacun son premier pas. Découvrir véritable, c'est ça le ripant dans soi. Du boum, du bam, bam, du bim, bim, des oui mais c'est bien ça, du pas à pas. La lumière sous son toit. Alors, il traîne tous les jours, là où la mort marque les joues. Il fait mine de maîtriser, mais en fait, il maîtrise rien du tout. Dans son ventre, il y a un trou noir qui semble aspirer ses envies. Il tente de le combler, mais comment combler l'agonie? Billy, l'anesthésie, violence et dopamine. Billy, percule l'échéance, la situation s'envenime. Billy a beau fermer les yeux, son mal-être se répand. Ça se ressent dans ses relations, il attire le mauvais temps. Comme si le chaos intérieur que Billy souhaitait voir se manifestait tous les soirs, de tous côtés du soir où il passe ses journées. Passe, repasse son mal, Billy le pied dans des traquenards. Son poing, sa main, son crâne est encombré par des histoires. Il n'a plus aucun refuge, perdu dans sa famille. Perdu, Billy accuse le coup, les copains manquent. Sa seule compagnie, des compagnons défoncent. Pardon pour la magie. Chacun son monde, chacun sa ronde, chacun son premier pas. Découvrir véritable, c'est ça le rigolant dans toi. Du boum, du bam, du bim, des oui mais c'est bien ça, du pas à pas. Et la lumière sous son toit, chacun son monde, sa ronde, chacun son premier pas. Découvrir véritable, c'est ça le rigolant dans toi. Du boum, du bam, bam, du bim, bim, des oui mais c'est bien ça. La lumière sous son toit. Ça pouvait pas finir comme ça. Troisième couplet. Mais ça se comprend. Au bord de la folie, Billy ne raisonne plus. Il ne suit plus le monde depuis que le monde ne le suit plus. Et il a peur et croit vraiment sa vie fichue. Et pour une fois, Billy, c'est avec lui-même qu'il discute. Et il a mal. Sous ses côtes, la tempête gronde, Billy en larmes. Tout d'un coup, le bateau coule, Billy est déchaîné. Sans rien, il touche le fond, choisir la fuite ou la vie et prendre l'impulsion. Il hésite, il a déjà tout fait foirer. Et la déprime, c'est quand l'air grêle ne concerne pas que le passé. Billy est mort et voit déjà sa vie filer, défiler. Il voit ses frères, ses sœurs qu'il va lâcher. Et là, en lui, ça explose. Cette vision l'accapare comme un gare-barre. Et que l'autre reste sans comprendre son histoire. Car Billy manque de repères, et c'est pour ça qu'il divague, ballotté à la mer. Héritier du trou noir, héritant du renoncement, poussé à faire de même, à placer ses descendants dans la spirale du problème. Il ne veut pas que ça. Billy veut rompre la chaîne, la spirale infernale. Billy reprend les rênes car il veut pas que ça. De la spirale du problème, de la spirale infernale. Billy veut rompre la chaîne, alors reprends les rênes. Pousse-nous à faire de même. Billy fait-nous homme, Billy phénomène. Chacun son monde, chacun sa ronde, chacun son premier pas. Découvrir véritable, c'est ça le big bang en soi. Du boum, du bam, du bim, des oui mais c'est bien ça, du pas à pas. Et la lumière sous son toit, chacun son monde, sa ronde, chacun son premier pas. Découvrir véritable, c'est ça le big bang en soi. Du boum, du bam, bam, du bim, bim, des oui mais c'est bien ça. La lumière sous son toit. On arrive à un moment dans le show où je vous demande comment ça va. Ça va bien ? Et à moi de rebondir là-dessus en disant que on n'est pas obligé d'aller bien. Et à faire des exemples comme moi, des fois, je peux me rendre des fois dans des réunions comme celle-ci. Sans me sentir bien. Et du coup, j'aimerais laisser un message pour tous ceux qui seraient peut-être dans cette situation à l'heure actuelle, leur dire que
faites de votre mieux. On est ensemble, la famille. Et le prochain texte, je le dédicace justement à tout ce qui ne va pas, à tout ce qui déborde, à tout ce qui craque. Je le dédicace, je le rends hommage pour les présenter, ces choses-là. Présenter en fait les peurs, en fait mes peurs. Je les présente pour les rendre présents. Et comme je vais les rendre présentes, je vais pouvoir relationner avec. Et ensemble, peut-être, trouver la clé de l'apaisement. Ou du moins la clé de l'apaisement avec le fait de ne pas être en apaisement. Pour l'heure. Super musique de François Barizot. Magnifique. Dédicace. Au vent glacial qui loge chez nous, à la grisaille des bâtiments, aux cages construites si vite pour faire entrer le cache des gens, ceux qui galèrent à bien se nourrir, qu'on pas appris à être riches. Convaincus de leur impuissance, désespérés au fond de leur vie, aux habitudes de défaite, aux décisions mais d'un seul choix, au cœur qui baisse la tête, aux certitudes qui nous condamnent, aux lettres d'amour mal prononcées, aux peurs qui filtrent nos lumières, aux flirts auxquels j'ai tout donné jusqu'à laisser mon être cher, et au savoir qui est une arme avec lequel certains se maltraitent, se torturent et se rendent bêtes, avec lequel parfois je m'inquiète, à toutes ces fois où je me tais, car je ne sais pas comment dire, à quel point je suis pas d'accord, sans m'énerver et sans mourir, à toutes ces fois où j'ai dit oui mais sans le vouloir, oui mais par devoir, non mais sans le pouvoir. À toutes ces fois où j'ai rien dit, resté muet en ravalant mon désaccord puissant quand j'ai pleuré en rigolant. À toutes nos vies complexes qui mettent du temps à se détendre, ces couplets sans recul que j'ai gratté cet hiver, à cette lumière j'ai ressenti en goûtant à ma noirceur, à cette noirceur qu'aucune lumière n'assumait dans la douceur. Mais pour l'heure, je rends hommage à ces déboires, ces ratés de l'histoire, pour leur offrir un regard tendre, une poésie plus douce qui fera du bien entendre parler là où ça touche. Mais pour l'heure, pour l'heure, pour l'heure, je rends hommage à ces déboires, c'est raté de l'histoire, pour leur offrir un regard tendre, une poésie plus douce qui fera du bien entendre parler là où ça touche. Mais pour l'heure, je rends hommage. Pour l'heure, je rends hommage à toutes ces angoisses auxquelles je n'ai même pas trouvé de nom. Car leur nom ce n'est qu'un son, et c'est un cri sourd et profond, et c'est là t'entends. Ça m'accompagne parfois des heures, tellement que ça devient intime. C'est comme des frères ou des sœurs, comme une fratrie interne dotée de mélancolie. Je pense aux douleurs d'être à sa place dans le décor de la grande partie, mais aussi aux vagues alarmes qu'on n'a pas su ou pu surfer. On va pas se maltraiter, on fait de notre mieux, toi on t'était à toutes nos blessures qui fusionne, et c'est pas facile à nos réveils, dans le sursaut, dans la mémoire du traumatisme, à cette main que tu m'as tendue, sans même t'en rendre compte. Je dévie un peu du texte, mais l'air de rien, je te raconte, et je pense à toutes nos errances, à ces matins sans perspective, au monde de place assise, dans ce système sélectif, à toutes ces fois où j'y ai cru, où je me suis cru plus fort que tout, à toutes nos histoires et nos rêves qui ne tiennent pas encore debout. Mais pour l'heure, je rends hommage à ces déboires, ces ratés de l'histoire, pour leur offrir un regard tendre, une poésie plus douce qui fera du bien entendre, qui fera parler là où ça touche. Mais pour l'heure, pour l'heure, pour l'heure, je rends hommage à ces déboires, à ces ratés de l'histoire, pour leur offrir un regard tendre, une poésie plus douce qui fera du bien entendre, qui fera parler là où ça touche. Mais pour l'heure, c'est quoi? On n'a qu'à dire que c'est ainsi, que c'est assis sur le présent que j'ôte ma flamme de l'incendie, que j'ouvre mes bras, mes amis, à notre peur de l'ennui et du rendez-vous. La peur de toute académie, à notre peur du cœur, à l'ignorance de la douceur et de la tendresse, aux caresses qu'on ne pense pas mériter, on n'est pas habitué à dévoiler ses sentiments où sont entièrement, tu sais, à être en paix tout simplement. Alors à nos soirées ratées, à nos galères interminables, à toutes nos failles qui nous empêchent de respirer dans le confortable, à nous oublier de prendre soin aux damnations que l'on s'inflige, ces coups de fouet dans le dos, à nos croyances qu'on les mérite, à nos comparaisons, à ce qu'on pense être meilleur, qu'on pense premier degré, alors qu'en fait midi à 14h, alors que Billy a bien des peurs, qu'il cache bien, qu'il n'avoue pas, on va se regarder dans les yeux et mourir dans nos bras. Et puis je reviens à moi, à ma peur du silence, à ma parole qui comble un vide quand je l'associe à une sentence, à cette peur de m'enterrer, ma peur de rater le coche, ma peur de me rater tout court, de n'être pas né à la bonne époque, et à ma grande peur d'aimer, de m'ouvrir à moi-même, de regarder un miroir, d'y voir ma condition humaine et d'y voir quelle vie on mène. Et tu bien sûr d'être incapable, te rappelles-tu tes bontés d'âme avant que ça alourdisse ton cartable. Et pour finir, je parle à ma peur du public, cette peur qui me tétanise, la peur de mon amour, du risque de vivre mon Titanic, de crier les étapes, de ne jamais me lancer et de rester bloqué sous la glace, à ma peur du jugement, de la critique, ce mal que je m'inflige quand mon image semble en pâtir, c'est l'heure de partir. Et je m'accorde un dernier hommage à tous mes enfants enfermés. Je cherche la clé,
sur vos visages. Pour l'heure. Enfant, je m'accompagnais bien, j'avais une lumière solide. Je passais des pleurs au rire sans me morfondre à souffrir et sans trop douter. J'étais très vite d'accord avec mon intérieur. Pas de torture du plus fort, enfant, je m'accompagnais bien. Je n'avais pas peur d'être seul. J'avais juste peur de la mort, de l'infini, du sous-sol. Mais à tout ça, je trouvais les phares. Et je sais pas si je parlais à Dieu, mais son écoute et ses réponses étaient très loin d'être hasardeuses, car je m'accompagnais bien. Je m'accompagnais très bien, pour moi, c'était pas loin. Suffisait de tendre la main, ouais, je m'accompagnais bien. Très bien. Pour moi, c'était pas loin. Enfant, je m'accompagnais, j'avais l'imagination prenante. Un ballon et un mur, pour moi, c'était le Stade de France. Tu sais, à corps perdu dans la chambre, je commentais chaque rebondissement. Des remontées fabuleuses et des émotions étourdissantes. Enfant, je m'accompagnais, même confronté à la peine. Même confronté au criage ou à l'empaillage de mes antennes. Allez, bien sûr qu'il y avait des clashs, mais de tout ça tu dormais vite. Ou du moins c'est ce que je croyais, une porte se fermait, moi j'ouvrais une vitre car je m'accompagnais bien. Pour moi c'était pas loin, suffisait de tendre la main. Bien. Pour moi, c'était pas loin. Alors que s'est-il passé? Est-ce le trou noir quand j'y repense? Peut-être que j'ai trop arrêté de jouer, que j'ai durci mon enfance, ouais, peu à peu ça s'est fermé. En classe de compète nationale, à force de colère familiale, j'ai des cailloux aux amygdales et y a tellement d'espace en moi que j'ai des vertiges intérieurs. Y a bien des êtres qui me parlent, mais je crois que j'ai perdu le décodeur, alors j'interprète des bribes, mais pas de quoi être répondu, pas de quoi être écouté. Écoutez, je crois que je me suis perdu de vue, alors que s'est-il passé? Eh, quand sais-tu toi qui écoute? Je questionne un temps celui qu'entend, qui a le cœur assez grand pour mon doute. Je me suis perdu de confiance ou de contenance intérieure, à force de dire mauvais diseur aux anges qui poussent au creux du cœur. Tu sais, je crois que mes anges y sont choqués de la loi de la jungle. Ça hurle au lion perpétuellement ou ça se perche aux arbres. Mais au ciel là-bas c'est tellement mieux. On m'assure même qu'il y a que ça de réel. Mais c'est bien sûr terre ferme que j'ai besoin d'être entièrement belle. Car je m'accompagnais bien. Je m'accompagnais très bien, pour moi c'était pas loin. Suffisait de tendre la main, ouais, je m'accompagnais bien. Très bien. Pour moi, c'était pas loin. Pas loin. Alors je voudrais te retrouver, toi l'acrobate qui pleure dans l'ombre. Je voudrais goûter tes larmes et par amour les prendre en compte. Je voudrais te consoler, compter trop marcher sur la tête. Je voudrais retrouver la piste et les yeux brillants qui vont avec, ouais, je voudrais te retrouver. J'ai plus que jamais besoin de toi. J'ai besoin que les mois dans le mois retrouvent leur place et leur voix. Je voudrais dégrossir mes frontières, sortir mes anges du mitard, réunir sous même bannière l'intégralité de mes parts. Je voudrais te retrouver, toi l'enfant qui jouait des heures, un aplomb faramineux, une course que le frais n'est que le cœur. Et dire que t'as le droit de jouer, que t'es beau, moi j'en connais qui aiment te voir. J'en connais même qui pourraient te payer pour que tu viennes jouer dans leur square. Tellement t'exploses, tu fais sourire les ventres, tu fais sourire les autres, les nôtres et tout ce qu'il y a entre. Alors j'aimerais t'avoir auprès de moi pour équilibrer mes parts adultes. J'aimerais pouvoir te dire je t'aime avant que ma tête ne me dise chute. J'aimerais juste t'avoir auprès de moi pour mes parts adultes, pouvoir te dire je t'aime avant que ma tête ne me dise. Car je m'accompagnais bien, je m'accompagnais très bien, pour moi c'était pas loin. Suffisait de tendre la main, bien. Pour moi, pour nous, c'est pas loin. Du tout. C'est à peu près terminé là. C'est à peu près.
Je tiens à dire que je vais bien. Oui. C'est un plaisir à entendre. Et voilà, c'est ma plongée intérieure. Et j'espère que les raisonnements que vous avez pu y voir chez vous vous seront bénéfiques au maximum. Voilà mon souhait. Et toutes les instrus ont été composées par François Barizot et Romain Corbara. Qu'on leur fait des bisous. Merci à l'Institut français de son accueil et d'avoir mis un tapis par terre. Et non, mais en tout cas d'avoir permis qu'on se rassemble et que je puisse faire ce que je kiffe. Faire ce pourquoi je me sens utile, écrire sur moi et essayer que ça contribue pour les gens, même si vous êtes en Espagne. Ça n'a pas de sens ce que je dis. J'ai remercié, oui, tous ceux qui ont contribué. Là, et merci à vous d'avoir fait de votre mieux. On a fait de notre mieux. Merci beaucoup. Dino, on peut aussi préciser, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce spectacle a été possible parce qu'on a une collaboration avec le Goethe-Institut et Naves Matadero et l'Alliance Française de Madrid. Se trata este espectáculo, ça también es fruto de la colaboración que estamos llevando con la Alianza Francesa de Madrid, con el Goethe Institut de Madrid, con Naves Matadero, y de hecho va a haber un espectáculo seguramente muy bonito este viernes en Naves Matadero, que se llama Explosión Sonora, con artistas alemanes, franceses, españoles, que han estado durante varias semanas en residencia, y Leinos también va a formar parte del grupo. Y nada, os animo por supuesto a ir este viernes si os ha gustado el pequeño fragmento de esta noche. Merci beaucoup. Dino. Et puis, donc j'expliquais que je parlais du laboratoire des cultures urbaines, hein, pour inviter tout le monde évidemment à faire partie du spectacle vendredi. Et puis voilà, si vous avez des questions, je pense que Dino sera ravi d'y répondre. Ouais, mais c'est non. Ah, c'est pas fini. Pardon, j'interromps tout. Désolée. Ça marche très bien. Non, mais Magali, ça marche vraiment très bien de préciser ça. C'est un moment un peu d'impro dans mon spectacle, enfin, en tout cas de remerciement et de partage. Et non, mais du coup, ouais, vendredi, oui, au Matadero. Matadero, si. Je vais vous faire quelques chansons, dont le morceau Enfant, là, que j'ai fait dernièrement, là, tout de suite. Et il sera traduit grâce à Dominique et à Claudia. C'est ça. Et on va essayer de le traduire pour qu'il parle en espagnol, qu'il soit compréhensible à chacun. C'est vendredi. Viernes. Si. Vamos. Bien sûr. Enfin, je veux dire que ce texte s'intitule Bien sûr. Que parfois je confonds l'orgueil et l'amour propre. Je confonds la fierté et puis la prétention de l'homme. Tout ce qui crée le décalage avec la justesse du monde et tout ce qui fait que ça s'effondre dans la profondeur des choses. Car dans la profondeur des choses, y'a plus de place pour le semblant, pour le forçage du réel. C'est le retour au vivant, y'a pas de compte à être brisé. Crois son incomplétude, c'est en assumant ses failles que l'on commence à quiétude. Alors je laisse vibrer mes cellules. J'ai confiance qu'elles arrivent faire pour épanouir ma structure et ça fait mal.
masse de monde dans mon cercle vertueux. Sonore au nord, ma ronde de mon souffle lumineux. Et puis je laisse vibrer mes cellules. Confiance qu'elles savent y faire pour épanouir ma structure. Et ça fait masse de monde dans mon cercle vertueux. Sonore au nord, ma ronde de mon souffle. Allez, bien sûr que la confiance permet une vie tellement belle. Mais je me perds en niant mon mal ou en violentant mes craintes. J'ai pas fini de naître. L'accouchement prend du temps. Et si je prends pas parti, c'est que l'amour n'a pas de camp. Non, je déserte la course quand je goûte l'universel. Mais j'assume d'être sensible lorsque j'oublie l'étincelle. Bien sûr que ça arrive, je veux pas nier mon tiraillement. Je veux vivre mon entièreté, me danser consciemment dans mes racines. Je cherche mon cœur, j'écoute ses battements dans ma sève. Aussi cette rage ancienne pour me libérer de mes chaînes, du pèlerinage en moi. Voici mon carnet de voyage. Ma lecture dans 10 ans aura un goût du nouvel âge. Alors je laisse vibrer mes cellules. J'ai confiance qu'elles savent y faire pour épanouir ma structure. Et ça fait masse de monde dans mon cercle vertueux. J'honore au nord ma ronde de mon souffle lumineux. Et puis je laisse vibrer mes cellules. J'ai confiance qu'elles savent y faire pour épanouir ma structure. Et ça fait masse de monde dans mon cercle vertueux. J'honore au nord ma ronde de mon souffle. Jour en jour, je joue à être sur terre. Je joue à être l'éclair dans le brouillard de l'hiver. Dans le blizzard millénaire, j'assume mon héritage. Mais le poids de ta colère, je refuse d'en être l'otage. Et beau être magicien, je reste soumis aux règles, au cycle de la lune, des étoiles. Et tu réel, allez, bien sûr que je suis comme toi. J'ai des enfants dans le ventre, des jumeaux, des triplés. Et l'abondance dans mon centre. Alors je veux déboucher les cordons avec douceur et fermeté. Une force déterminée avec moi-même me connecter. Laissez place aux sources de vie, libérer mes mines d'or. Je veux vivre l'ordinaire comme un miracle, on honore. Et je veux ça plus qu'une carrière. Écrire ce n'est pas mon but, c'est un moyen qui me libère. C'est des vagues que je surfe par les lettres de ma langue. La vérité de mon cœur que je brandis au-dessus de ma tête. Parce que rapper mes émotions, c'est un moyen de les accueillir. Moyen d'apprivoiser la nouvelle et rafleurir. Et puis faire rimer mes obstacles avec leurs solutions. C'est ma formule magique qui concrétise mes directions. Alors je laisse vibrer mes cellules. Oui, j'ai confiance qu'elles savent y faire pour épanouir ma structure. Et ça fait masse de monde dans mon cercle vertueux. J'honore au nord ma ronde de mon souffle lumineux. Et puis je laisse vibrer mes cellules. Oui, j'ai confiance qu'elles savent y faire pour épanouir ma structure. Et ça fait masse de monde dans mon cercle vertueux. J'honore ma ronde de mon souffle lumineux. Encore, j'ai un dernier texte. Après, on pourra échanger ensemble si vous le souhaitez. J'ai même des CD à vendre. J'ai des petites maquettes à vendre que je vends en prix libre. Du coup, tout ce que vous avez, ça marche si vous le souhaitez. Et du coup, le prochain texte, il s'appelle Reprendre goût. C'est un peu l'essence du prochain show. Je vais faire, et du coup là on tend un peu la main vers l'avenir ensemble avec ce texte. Reprendre goût à l'acte, après que l'histoire nous ait brûlé. Venir le cœur entier et le déposer sur la balance, non pas pour le peser mais bien pour soutenir le mouvement. Venir les mains ouvertes et l'air fermé sur la présence. Réparer les miroirs où se reflète notre beauté. Que la lumière résonne et rebondisse sur tous les toits du monde, celle-ci, c'est pour tous les soirs où je bronze au soleil de l'isolé, au soleil délaissé, tombé, pour compte. Pour trouver des repères dans le tourbillon, trouver des référents paisibles et s'affranchir de la violence ordinaire. Varier les formes d'amour afin de trouver les traductions aux vagues qui apparaissent dans les tréfonds de notre univers. Sentir la fine flamme présente même pendant l'orage. Apprendre à la goûter et se mettre dans un océan de saveurs. Je parle de sa force, je parle de sa faiblesse, tu sais que je parle de sa splendeur. Je parle surtout pour animer ce que l'on peut perdre avec l'âge. Je parle de la rage. Je parle de la couleur rouge.
Je parle pour des couleurs dans nos souvenirs, je parle pour que l'amour se bouge. J'ai pas fini de grandir, je parle de ma raison qui contrebalance mes instincts. Je parle de la lumière qui dépasse les batailles de cerveau, les batailles de terrain. Tu sais que je parle de là où mon corps s'est réfugié. Je parle d'un océan de douceur qui est juste, tout juste à mes pieds, mais je ne sais que peuplier. Alors j'enfonce mes plantes de pied afin d'atteindre les flots cachés. Reprendre goût à l'acte après que l'histoire nous ait plombé. Venir le cœur entier et le déposer sur la balance. Non pas pour le peser, mais bien pour soutenir le mouvement. Venir les mains ouvertes et les refermer sur la présence. Merci beaucoup.